La capitale de ce pays, San Carlos, se trouve à plusieurs heures d'avion au sud de Miami. Elle s'étend juste au pied d'un vieux volcan encore fumant, sur d'anciens marais mal asséchés, environnés par la forêt vierge. C'est une ville où personne ne vient s'il n'y est pas obligé. Et quand on y vient une fois, on n'y revient jamais plus. Même les moustiques sont partis. Il y a toutefois certains autres fléaux. Merci. Oui. L'hôtel Miramonte, s'il vous plaît. Allez, partez à l'hôtel. Hein? Il faut que vous veniez avec moi. Ah, puis-je vous demander où vous voulez m'emmener? Parlez au général, évidemment. Il se montre très impatient. Ah, et les bons usages nous recommandent de ne pas laisser s'impatienter un général, n'est-ce pas? Et spécialement ce général-là. Peut-être faudrait-il changer les bons usages, alors. Hmm? Pour deux bonnes raisons. La première est que je n'ai aucune idée de qui est ce général. Et la deuxième est qu'il me semble que je ne vous connais pas. Mais vous avez les signes de reconnaissance. Je vous ai vu. Vous avez enlevé cette fleur de votre boutonnière. Et en plus, je ne comprends rien du tout à ce que vous me racontez. Écoutez, je ne veux pas d'embêtement, hein? Et vous? Vous pouvez en apporter de nombreux. Simon Templar, le saint. Suivez-moi. N'êtes-vous pas un peu trop nerveux pour cette sorte de travail? Vous avez fait ce voyage pour voir le général Cuevas. Vous n'avez pas voulu venir avec moi quand j'ai voulu vous emmener le voir. Alors pourquoi? Je suis désolé de toujours vous rabâcher la même histoire, mais je ne connaissais même pas le nom de votre général Cuevas. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire à San Carlos? Me reposer. Non. Vous êtes ici pour apporter un message. Vraiment? Mm-hmm. Quelle sorte de message? Eh bien, celui qui concerne la livraison des marchandises plutôt spéciales, comme vous le savez bien. Allez, maintenant, venez. Ah, c'est vrai. J'ai quelque chose à vous dire. Ah, je savais bien. Alors? Allez. Je voulais vous dire que j'allais vous retirer ce pistolet des mains et en abattre la crosse sur ce qui vous sert de tête. Oh, Julio! Vámonos! Est-ce que vous savez où habite un certain Fergus McLeish? Bien, alors allons-y. Que s'est-il passé, monsieur? Rien d'assez grave pour motiver votre intervention. Fergus! Simon!
Ah, ça a fait un sacré bout de pas temps. Pas assez longtemps pour changer Fergus MacLeish. Où sommes-nous ici? Dans un café ou dans une boutique de curiosités? Oh, ça n'est qu'une toute petite maisonnette dans cette ville taride. Ah, est-ce qu'un homme assoiffé peut boire ici? Oui, et vous pouvez boire tout ce que j'ai. Ah, ça c'est gentil d'être venu, Simon. Le seul mot que je trouve est merci. Alors, n'en dites pas d'autre. Ah, maintenant que vous êtes là, l'espoir m'est revenu. C'est si grave que ça, Fergus? Ce n'est pas une question à poser à un Écossais à qui on vient de soutirer les économies de toute sa vie. 17 000 dollars. Donc ça? Oui. Votre lettre ne disait pas comment ça s'est passé, mais ça devait être très bien monté pour rouler un vieux renard comme vous. Oui, très bien monté, oui. Tout mon argent. J'avais fait des projets pour retourner chez moi l'année prochaine et avec cette somme, j'aurais eu bien assez pour y finir mes jours. C'est alors qu'il m'a escroqué en prétendant me faire réaliser une bonne affaire. Qui est-ce? Où est-ce que je peux le voir? Il se fait appeler du nom de Humphrey Nestor et en plus il se prétend professeur. Vous êtes descendu au Miramonte. Alors il ira vous voir. Ah, je dois vous préciser une autre chose importante, Simon. Il a aussi une fille, Alice. C'est très bien, ça. Ouais, vous répéterez ça quand vous aurez fait sa connaissance. Ce sera encore mieux. À ta santé. À ta santé. Ah, alors, il n'a pas trouvé ce que nous avons fait pour mériter une telle malchance. Tu te plains, papa, on voit que tu vieillis. Et à propos du terrain que le vieil Écossais a acheté. Tu avais tellement de dettes à payer depuis ta dernière affaire que maintenant, il ne te reste rien. Bon, ben, j'ai fait ça pour le sport. L'argent te serait plus utile. Très bien, allez, c'est pas la peine de me le dire. Je sais quelle est ma situation. Vraiment? Nous avons 28 000 dollars en banque, il me semble. N'y compte pas trop, papa. Cet argent n'est pas tout à fait à nous. Oh, écoute, Alice, la moitié de cet argent est à moi. Seulement quand tu t'arrêteras, quand tu auras fini d'escroquer les gens et que tu travailleras vraiment. Mais pas avant. Écoute, ma petite Alice. Nous nous étions mis d'accord là-dessus, je tiendrai bon jusqu'au bout. Mais si je ne trouve pas bientôt un pigeon, je serai obligé de m'en servir, moi, crois-moi. Alors cherche bien ce pigeon, parce que tu ne toucheras pas aux réserves. Nous savons monter vos bagages dans votre chambre, seigneur. J'espère que vous serez satisfait. Merci. Professeur Nestor. Oui. Ah. Je suis désolé, j'avais oublié. Si, seigneur. Merci, seigneur. Je suis navré. Pas du tout, il n'y a pas de mal. Tu as peut-être raison, pour une fois. Merci. Longtemps pour arriver, Seigneur Templar. Je vous ai attendu. Oui, mais plutôt confortablement, je crois. Je me reposais un instant. Vous savez, on travaille beaucoup ici. Ne me faites pas croire que vous êtes la femme de chambre. Quintana, capitaine du service de sécurité de ce pays. Je suppose que vous avez fouillé mes bagages. Oui. J'ai défait les valises à votre place, Seigneur. Et vos affaires sont rangées. Vous verrez que tout ce qui devait être accroché est effectivement accroché. Peut-être manque-t-il un objet précis. Si vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Il n'y a rien de marqué qui m'ait intéressé. Seulement une lettre du seigneur MacLeish qui m'a appris pourquoi vous êtes dans ce pays. Eh bien, alors, si vous avez fini votre sieste... Si, seigneur, mais je n'ai pas fini mon travail. Un de mes hommes vous a reconnu à l'aéroport. Il vous a vu parler avec un certain Julio Madeiros, c'est exact? Si c'est là son nom, oui. Quels sont vos rapports avec Madeiros? Eh bien, il avait l'air de croire que j'avais un message à lui communiquer à mon arrivée ici. Ah, vous lui avez apporté un message? Non, non, nous avons échangé quelques plaisanteries. Ensuite, nous nous sommes séparés. L'incident était clos. J'espère qu'il l'est, seigneur, pour votre salut. Pourquoi? Madeiros est un partisan farouche d'un certain général Cuevas. Ils veulent s'emparer du pouvoir par tous les moyens et aucun scrupule les arrêtera. Si nous n'arrivons pas à les en empêcher, seigneur, il y aura beaucoup d'hommes tués. Ça a l'air d'un groupe de joyeux lurons. Ce sont des hommes fanatisés et donc extrêmement dangereux. Si vous apprenez d'autres informations, faites-les-moi vite savoir. D'accord. Prenez bien garde à vous, seigneur. Ces hommes sont tous des tueurs. Ils vous surprendront si vous n'êtes pas sur vos gardes une seule minute et pst! J'espère que vous passerez un agréable séjour à San Carlos, seigneur. J'espère que je trouverai quelque chose à faire. Et vous, espèce d'imbécile! Vous réalisez ce que vous avez fait? Non, 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 je n'ai rien. Vous avez démasqué devant un éventuel ennemi. Mais
Il n'y a rien qui nous indique que Templar sera contre nous, général. Est-il avec nous, Sombrio? Et qu'est-ce qui peut bien attirer un homme de la réputation de Simon Templar à San Carlos? Ça, je n'en sais pas. Alors, découvrez-le, dépêchez-vous, et si vous avez le moindre soupçon qu'il vienne travailler contre nous... Alors, Paco? J'ai pu bavarder avec mon cousin, celui qui est employé à l'hôtel Miramonte. Oui, alors? Il a dit que le dénommé Templar avait eu un entretien dans sa chambre avec le capitaine Quintana. Est-ce qu'il a entendu ce qu'il disait? Non, mon général. Mon cousin n'a pas pu rester à écouter. Il devait aller à l'étage supérieur pour servir des boissons que les touristes américains attendaient. Je suis entouré par une bande d'imbéciles et d'incapables. Oui. Bon, très bien. Alors nous allons voir si deux idiots travaillant ensemble sont plus efficaces que deux idiots travaillant séparément. Vous allez aller tous les deux à l'hôtel. Vous allez surveiller les moindres gestes de ce Templar. Jour et nuit, jusqu'à ce que vous ayez découvert pourquoi il est ici. Vous avez compris? Oui, mon général. Oui, mon général. Vous m'étonnez. Sortez tout de suite de ma vue, espèce de larve. Julio! Oui, mon général. J'y veux que vous ayez une tenue correcte. Garçon, apportez-moi une bouteille de champagne, le plus sec que vous ayez. Faites bien attention que ce soit la plus vieille bouteille. Mais bien sûr, seigneur. Ah, oui. Un homme qui boit du champagne est un homme avec qui je peux faire une affaire. Calme-toi, papa, tu commences à trembler. Merci. Allô? Comment? Harvey. C'est moi, mon vieux. Fergus McLeish. Je vous appelle comme vous me l'avez demandé. Comment a évolué cette affaire depuis que je suis parti? Elle est presque conclue. Mais quoi? Alors combien veulent-ils de plus? 30 millions? 40? Très bien, payez ce qu'ils demandent. Bien sûr que je sais que je vais trop vite, mais on ne trouve pas une pareille occasion tous les jours, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à payer ce qu'ils demandent et rappelez-moi après. Au revoir. Payez-leur ce qu'ils demandent, comme si l'argent poussait sur les arbres. Ne plaisante plus, papa, et cherche ce que tu peux lui proposer. J'ai déjà pensé à notre plus ancienne manière d'agir. La première? Mais tu as l'objet sur toi? Évidemment. L'appareil? Oui, aussi. Tu es une fille parfaite, je Alice. Je sais. Maintenant, montre quel père tu es. Et papa, essaie de ne pas être trop gourmand. Bon. Très bien, papa, toi d'abord. N'oublie pas ton sac, ma petite fille. Oh, non. On perd notre temps à les surveiller, hein? Il reste là à boire son verre, c'est tout. Nous avons reçu l'ordre de les surveiller. Bon, alors toi, tu vas rester là pour les surveiller, Paco. Hein? Moi, je vais aller voir là-haut. Hein? Je vais aller fouiller sa chambre. Pardonnez-moi, monsieur, de vous demander un peu de votre temps, mais seriez-vous assez aimable pour nous prendre en photo, ma fille et moi-même? Avec plaisir, monsieur. Merci. Je me présente, professeur Humphrey Nestor. Sébastien Toms. Et voici ma fille Alice. Enchanté. C'est très gentil de votre part, monsieur Toms. Nous n'avons pas de photographie où nous soyons ensemble. Est-ce que ça va? Oui, très bien. On devrait en prendre une avec la grenouille. Oh, non, nous ne pouvons pas abuser de l'amabilité de monsieur Toms, Alice. Oh, mais ce sera avec plaisir, professeur. Je n'ai rien d'important à faire. Voulez-vous vous rapprocher un peu, s'il vous plaît? Merci, monsieur, vous avez été très aimable. Pas du tout, ça m'a fait très plaisir. Ceci est une pièce très bizarre, on dirait de l'or massif. Oui, c'est vrai. Oh, papa, tu pourrais te montrer plus aimable. Il n'y a rien de mal à te poser cette question. Mais oui, évidemment. Veuillez m'excuser, monsieur Toms, j'avais peur de vous ennuyer avec ça. Mais au contraire, je suis sûr que ça doit être très intéressant. Voulez-vous vous joindre à nous? Avec plaisir, mademoiselle. Je ne pense pas que vous ayez entendu parler de la Telopus Nestor. Oh. Est-ce qu'on trouve ça en allant à la pêche pieds nus la nuit dans les chambres d'hôtel? Le garçon, du champagne, s'il vous plaît. C'est la grenouille d'or sacrée des anciens Aztèques. Papa l'a découverte et c'est ça qui a fait sa réputation. Vous voyez, les anciennes civilisations de l'Amérique centrale avaient pour fétiche cette grenouille d'or. Ils l'employaient pour tous leurs rites sacrés. C'est très intéressant. Papa a passé une grande partie de sa vie à rechercher leurs secrets. Toutes ses vacances. Et nous sommes même une fois restés une année entière loin de l'université. Je ne suis pas honteux de vous l'avouer, mais j'ai été de nombreuses fois au bord du désespoir. Mais tu as résisté. Il a persévéré. Comment vous y étiez, vous aussi? Évidemment. Je n'aurais pas voulu le laisser seul pour un empire. Oh, elle m'a toujours suivi partout. C'est un vrai garçon manqué, vous savez. Il m'est plutôt difficile d'imaginer que vous ayez des aspects masculins. Thank you.
Mais comment avez-vous été amené à découvrir cette grenouille, professeur? Oh, c'est une longue histoire, monsieur Thoms. L'important est que nous l'ayons trouvée. Nous n'avons pas seulement trouvé ce spécimen exceptionnel, mais toutes les statues de grenouilles dorées qui ont été faites. Vous voulez dire qu'il en existe d'autres? Eh oui, encore 37 grenouilles exactement dans une grotte sur laquelle nous sommes tombés par le plus pur accident. Oh, c'est très amusant. Est-ce qu'elles sont de la même taille? Oh, il y en a trois énormes, de la taille d'un gros ballon. Et toutes sont en or? Évidemment. Oh, si j'avais su que les archéologues pouvaient gagner de l'argent de cette façon, j'en aurais fait mon métier. Quelle sorte de métier faites-vous donc, monsieur Thompson? Je crois que je suis ce qu'on appelle un spéculateur. Je m'intéresse à tout ce qui est susceptible de me rapporter de l'argent. Je suis fier d'ajouter qu'en me fiant à mon instinct, j'ai plutôt bien réussi jusqu'à maintenant. Non, vous devriez pouvoir en dire autant. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'ai promis au conservateur du musée d'aller me voir. Pauvre papa. Il y a quelque chose que je n'ai pas dû comprendre. Si je savais où se trouvent autant de statues en or, je crois bien que je serais fou de joie. Mais malheureusement, les statues sont encore dans la grotte. Et nous n'avons qu'une seule tête et il faut faire très attention pour ne pas la perdre. Ah, il y a des coupeurs de tête dans la forêt? Oui, il y en a. Il faudrait monter une expédition pour aller les chercher. Nous n'avons pas l'argent. Je vois. Intéressant. Très, très intéressant. Quelques-unes de ces statues à papa, je me moquerais de ce qui pourrait arriver aux autres. Oh, vraiment? Supposez que je puisse trouver un homme d'affaires qui sache prendre des risques et que je lui propose de faire un marché. Quelle sorte de marché? Eh bien, supposez qu'en retour du financement de l'expédition, il garde pour lui la moitié des grenouilles en or. Il n'y a rien d'autre pour moi? Non, mademoiselle, je suis navrée. Penseriez-vous que je ferais un mauvais arrangement? Je crois plutôt que vous auriez droit à une médaille en or, évidemment. Écoutez, voudriez-vous, vous et votre père, prendre votre repas avec moi ce soir? Mais oui, avec grand plaisir. Merveilleux. Et si vous êtes toujours décidé à contacter quelqu'un en ce qui concerne ces fameuses grenouilles en or, eh bien, j'espère que vous me le proposerez à moi en priorité. C'est d'accord, je vous le promets. Bon, alors, à tout à l'heure. Un télégramme? Ah oui! Oui, un télégramme! Écoutez, mon vieux, la prochaine fois que vous voudrez fouiller ma chambre, mettez un guetteur à la porte, ça vaudra mieux. Je vous l'assure, mon général. Il n'y avait rien parmi ces affaires qui puisse nous indiquer pourquoi Templar est venu à San Carlos. Pas le moindre indice. De toute façon, il n'était pas venu pour intercepter notre chargement de munitions. Le bateau est enfin arrivé. Bravo à Vargas. Mais, mon général, je croyais que M. Vargas avait pour mission de s'occuper de l'envoi de chargement de ses armes et de nous envoyer un message pour nous dire quand nous pourrions en attendre la livraison. Mais, si, Julio, je vois ce que vous pensez. Notre camarade a pris de gros risques en convoyant les armes lui-même. Mais je ne peux rien lui reprocher. Puisque, heureusement pour Vargas, il a réussi. Maintenant, le problème est de faire parvenir ces armes à nos hommes qui s'entraînent cachés dans la forêt. Eh bien, Paco, vous voilà enfin.
Qu'est-ce que vous avez découvert? Beaucoup de choses, mon général. Ce professeur Nestor, d'après un de mes cousins, est un escroc. Mm-hmm. Il prétend qu'il connaît une grotte secrète dans la forêt où sont cachées beaucoup de statues en or. Des statues des grenouilles. Des grenouilles? Oui, mon général. Et il a trouvé un touriste très riche qui a accepté de financer les frais d'une expédition pour aller chercher ces statues. Et ils ont loué un bateau et ils vont remonter le fleuve suivant un chemin où de faux indiens les attaqueront et les obligeront à faire demi-tour et à repartir. Alors, c'est tout? Oui, mon général. Et je peux vous préciser que le professeur Nestor va empocher beaucoup d'argent avec tout ça. Vous êtes sûr qu'ils vont dans la forêt en bateau? Oui, mon général. Eh bien, je crois que notre problème, il est résolu. J'aimerais rencontrer ce professeur Nestor. Amenez-le-moi ici. Oui, mon général. Tout de suite. Mon général, et s'il ne voulait pas venir ici? Je n'ai pas dit de l'inviter, je crois, Julio. Amenez-le-moi. Oui, mon général. Et Julio? Oui, mon général. Faites arranger vos vêtements, je vous prie. Ah! Vous êtes l'homme que je voulais voir. Entrez. Vous voulez m'apprendre que Julio Maderos vous a attaqué? Je suis sûr que vous savez déjà tout ça. Ce que je voulais, c'est vous parler de ce groupement insurrectionnel. Oui. Vous savez qui ils sont? Leur chef est le général Cuevas, comme je vous l'ai déjà dit. Voulez-vous vous asseoir? Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? J'ai dit que je savais qui c'était, mais pas où ils étaient. Julio Maderos est le seul homme que nous ayons vu. Si nous pouvons capturer Cuevas, la révolution sera terminée avant d'avoir commencé. Pourquoi n'avez-vous pas suivi Maderos s'il vous a amené à Cuevas? C'est la principale raison pour laquelle Julio n'est pas en prison. Mes hommes ne le quittent pas d'une semaine, jour et nuit. Et vous n'avez rien découvert? Seulement que Julio peut semer mes hommes quand il le veut. Alors vous devriez suivre quelqu'un d'autre, quelqu'un de moins habile? Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre? Vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous conduire au général Cuevas? Dites-le-moi. Évidemment, capitaine. Mais d'abord, je voudrais être sûr que ma contribution volontaire à la bonne marche du pays me vaudra une petite marque de gratitude. Alors, combien? Oh, je ne veux pas d'argent. Qu'est-ce que vous voulez? Un petit bout de papier. Un document signé par le président de la République. Alors, votre père est d'accord pour notre marché? Il a failli passer à travers le plafond quand je lui ai parlé de la moitié des grenouilles. Je l'aurais parié. Mais je lui ai précisé les avantages que représentait la moitié du total par rapport à rien du tout. Il a accepté. C'est vraiment dommage qu'il ne puisse pas se joindre à nous. Nous aurions pu commencer à établir des plans. Oh, nous verrons papa plus tard. Il a été rendre visite à Loro. Loro? Le guide indigène qui nous avait emmenés là-bas. Il est de pur sang indien. S'il ne l'avait pas été, on ne l'aurait sans doute jamais revu vivant. Il ne voudra sûrement pas retourner là-bas. Eh bien, c'est pour ça que papa a été le voir ce soir. Je crois que c'est une question de prix. Alors? Ah, je ne sais pas, professeur. Ces expéditions me fatiguent beaucoup. Cette chaleur, les insectes, et cette forêt malsaine. Ah, j'en ai assez. Vous essayez de me soutirer plus d'argent? Est-ce que j'ai dit que je voulais plus d'argent? Je vous offre une somme de $1,000. Je trouve que ça fait beaucoup pour un homme qui se nourrit de bananes. Oh, vous pouvez me croire, professeur. C'est pas pour l'argent. C'est seulement parce que j'aime pas cette satanée forêt. Ah, très bien. Je vais monter à 1,200. C'est vrai, professeur? Mais oui. Professeur, je suis à votre entière disposition. Voilà notre homme. Allez-y. Vous êtes prêts? Voilà. Gala. Pour Indien. Mmh. Mais un gentil petit Indien innocent, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Bien. Et je vous aime comme mon propre père. Peut-être que ça va être plus difficile que prévu de capturer Nestor. Ces fichus templars et les diables en personne. T'en fais pas comme ça, mon vieux. Je sais comment traiter les démons. Avec ça, je peux affronter Satan lui-même.
Nous ancrerons le bateau ici dans cette courbe du fleuve qui s'appelle Rincon del Rio. Et à partir de là, il faudra poursuivre l'expédition à pied. Combien d'hommes nous faudra-t-il? Je dirais à peu près 30. 30? Mais il faudra donner une impression de force, Monsieur Thames. En tout cas, assez pour garder cette tribu de coubeurs de tête à une bonne distance. C'est la seule façon. Now, just a minute, we're going to be carrying an awful lot of gold, we hope. And with 30 armed men, we're bound to find more than one believer in free enterprise. So it could be goodbye gold, and worse still, goodbye world. Young master speak with straight tongue. Soldiers steal gold frogs. Loro no plan, make all here fill up with joy. What is it? Take guns, let Indios have it. Vous voulez dire combattre les Indiens? Non, non, pas combattre. Donner les armes. Des armes pour les Indiens, et grenouilles en or pour les maîtres. Mmh. Alors, vous croyez qu'il ferait l'échange? Oh, il ferait l'échange. Les coupeurs de tête auraient les armes, donc plus de têtes. Et aussi, ils les auraient plus rapidement. Et les nôtres avec? Non, non, maître. Vous garderez votre tête, mon plan le prévoit. Je parlerai avec le chef, c'est un homme très loyal. Il tient toujours la parole qu'il donne. Bon, combien de fusils est-ce qu'il vous faudrait? Une centaine. Non, 200. Et des balles. Mais c'est impossible, il n'y aura jamais assez de fusils dans le pays. Oh, Loro pourra les trouver. Loro connaît un homme qui a beaucoup de fusils. Il les a gardés depuis la dernière révolution. Il les vend cher, mais il a les fusils. Offrez 10 000 $, vous verrez. Mais je ne vois pas tellement ce que ça va nous apporter. Oh, si, reine de lumière, beaucoup de choses. Pas d'embêtement, pas de bataille, et cela nous sauvera la tête. Et nous n'aurions pas recruté toute une armée, c'est très bien. Allez-y, je vous rejoindrai plus tard. Il faut que je discute de quelques problèmes avec Loro. J'irai à la banque régler la question d'argent la première heure demain matin. À la banque, Monsieur Thames? Mais oui, je vais m'occuper de l'argent pour les fusils, professeur. Ah, merci, merci, très bien. Bonne nuit, Loro. Bonne nuit, Loro. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Bonsoir, professeur. Monsieur Thames. Ce n'est que Templar qui part avec la jeune femme. Bon, alors maintenant, il suffit d'attendre Nestor. Dès qu'il sort, on y va et on l'entoure tous les trois. Ouais. Que dois-je faire, professeur? Je dois lui monter une mise en scène. Un grand spectacle, Loro. Vous êtes très intelligent pour un illettré, hein? Merci. Écoutez, il va falloir ramasser beaucoup de ces grosses pierres qu'il y a le long du quai. Ensuite, il faudra les mettre sur le bateau demain matin, d'accord? D'accord. Comme ça, Tom croira que ce sont des fusils. Oui. Professeur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais pourquoi est-ce que vous voulez pénétrer profondément dans cette maudite forêt? Pourquoi ne voulez-vous pas arrêter dès que vous aurez récupéré l'argent? Je ne pensais plus, cet homme va perdre de l'argent, mais d'une façon absolument légale. La loi ne doit avoir aucune raison d'intervenir. Mais c'est se compliquer la vie pour rien. Pour rien. Depuis quand est-ce que je travaille pour rien? Vous allez venir avec nous, monsieur. Je n'arrive pas à croire que ce rêve sans espoir est devenu la réalité. Comment pourrais-je vous remercier? Considérez que je le suis. Oh, je crois que ce voyage va me plaire. Anis. Touriste. Comment l'appelez-vous? Sébastien Thames. Il croit que vous avez emporté un chargement de fusils sur votre bateau. Oh non, général, ces caisses ne contiendront que des pierres, ça je vous l'assure. C'est faux, monsieur. Pas des pierres, des fusils. Vous emporterez mes propres fusils. Vous avez compris? Oui, oui, général. Un de mes hommes, monsieur Vargas, ira avec vous pour contrôler ce que vous faites. Ah oui? Des questions à poser, professeur? Oui, eh bien... Allez-y. Eh bien, au fond, je ne suis qu'un homme d'affaires, mon général, et je voudrais savoir ce qu'il y aura gagné pour moi. Oh. Vous savez gagner beaucoup, professeur. Énormément. Votre vie. Pas une heure de civilisé pour frapper à ma porte. Ah, ah, c'est vous, Simon. Entrez donc. Est-ce que vous me rapportez mon argent?
Pas encore, Fergus, mais c'est pour très bientôt. Est-ce que vous connaissez la forêt? Oh, mieux que ma poche. Vous connaissez un coin appelé Rincon del Rio? Mais bien sûr, c'est une boucle de la rivière. Est-ce ce à quoi je pense? Oh, c'est du faux minerai, ça n'a pas la moindre valeur. Peut-être beaucoup plus de valeur que vous ne croyez. Habillez-vous, Fergus, vous allez partir pour la forêt. Pour la forêt? Rincon del Rio, plus précisément. Oh. Dépêchez-vous. Attention, attention. Vous avez fini? Oh, plus de quelle vitesse. Dites, est-ce que notre cher monsieur Tom, je vous appelle. Il m'a donné son chèque. Son chèque? Mais professeur, est-ce que vous êtes devenu fou? Un chèque certifié, aussi valable que de l'argent. Laurent, voudriez-vous vous rappeler que dans toute cette histoire, vous n'êtes qu'un simple indien? Mais faites attention avec ces caisses. Il faut surveiller de très près ces caisses. Si elles s'ouvraient, ça pourrait mettre notre plan à l'eau. Allez, venez. Pourquoi êtes-vous si inquiet? Elles ne contiennent que des pierres. Ouais. Comment ça marche, papa? Oh, bien mieux que bien. Allez, venez. Faites bien attention. C'est fragile. Très bien. Écoutez, dites au capitaine qu'on n'attend plus que lui pour s'en aller. D'accord? D'accord, oui. Est-ce que tu n'oublies pas quelque chose? Comment ça? La raison de ce petit voyage, ce cher monsieur Sébastien Toms. Ouais, oh. Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette aujourd'hui, papa. Quelque chose t'inquiète? Non, non, rien. Qui est-ce? Eh bien, vous avez oublié de te dire que nous avions un passager. Un passager? Mais pourquoi? Il s'appelle Vargas. Je t'ai demandé pourquoi, mais peut-être que j'aurais dû demander combien. Ah oui, donc passé ce monsieur Toms. Mes hommes ont réussi à identifier le taxi que vous nous avez décrit. Il est plus facile à suivre de loin que Julio Madeiros. Ma participation à notre contrat, Seigneur Templar. Vous nous avez été d'un grand secours, Seigneur. Je vous en suis très reconnaissant. J'ai été largement récompensé. Non, Seigneur. Cette concession n'a que la valeur de l'encre avec laquelle elle a été écrite. Il n'y a pas d'or à San Carlos. S'il y en a, capitaine. Mais comment pouvez-vous en être sûr? C'est moi qui l'y ai apporté. Prêt à partir? Oui, monsieur. Bon, est-ce que tout est embarqué? Oui, tout, monsieur. Bon, bon, très bien. Ah, vous voilà enfin, monsieur Toms. Sébastien, où étiez-vous passé? Oh, je suis navré, j'ai dû attendre un ami, une relation d'affaires, plus exactement. Il était en retard, il revenait de voyage et je ne pouvais pas partir sans l'avoir vu. Ça a l'air d'être très important. Eh bien, vous pouvez même dire que c'est de lui que va dépendre la suite de l'affaire. Alors, on va bientôt partir? Ah oui. Professeur, qui est cet homme? C'est un ami de Loro. Allons rejoindre Alice dans la cabine. Bien. Nous avançons plus vite que prévu. Nous serons à Rincon au milieu de l'après-midi. J'ai l'impression que vous êtes en train de lire un document très passionnant, sûrement un contrat d'affaires, hein? Oh non, ce n'est que un papier officiel me donnant tous les droits de prospecter pour en découvrir et garder tous les minerais que je pourrais trouver. Oh, est-ce qu'il y a des minerais précieux par ici? Est-ce qu'il y a des grenouilles en or? Les indigènes ont bien dû trouver cet or quelque part. Et cette concession me donne tous les droits pour garder tout ce que je pourrais découvrir sur ce territoire. Je ne m'étonne plus que vous soyez si riche. Vous ne ratez pas une occasion, n'est-ce pas? En affaires, voyez-vous, il faut aller chercher l'argent où il se trouve. Laurent Vater arrange avec les coupeurs de tête et leur propose fusil contre grenouille. Ils diront oui, je sais, et j'attends et prends les grenouilles et revenir avec les grenouilles demain, j'espère. Vous donnez les fusils aux Indiens et tout le monde rentre chez soi. J'ai dit au capitaine, attendre ici et qu'ils prennent soin de vous. Faites bien attention, Laurent. Oh, Laurent, toujours très prudent, reine de lumière. N'ayez pas peur, vous m'en verrez. Toujours avec ma tête. Allez, maintenant, je vais les voir. Tu
Tu crois que ça va marcher, papa? Oui, l'euro reviendra. Ce n'est pas la première fois. Pas la dernière non plus, je suis sûr, capitaine. Voulez-vous bien m'aider? Pourquoi n'irions-nous pas tous à terre? Pour que je puisse chercher cet or? Je ne crois pas que vous puissiez y rester, à moins que vous soyez habitué à cette chaleur, car c'est insupportable ici, je vous dis. Bon, je ne voudrais pas manquer cette occasion, professeur, pour chercher l'or. Et tout comme Alice, j'adore l'atmosphère qu'il y a dans ces forêts. Venez, Alice, nous allons y aller tous les deux. Regardez ça. Quoi, où ça? N'est-ce pas magnifique? Oh, oui, c'est vraiment... Ah! Oh, que vous arrive-t-il? J'ai vu quelque chose remuer par là-bas. Ce n'est qu'un crocodile. Ce n'est qu'un crocodile? Allons-nous-en d'ici. Oh, il ne vous ennuiera pas, à moins qu'il soit vraiment affamé. Je suis content que vous fassiez cette promenade avec moi. Oh, j'adore ça, j'adore la forêt, j'adore tout ce qui est en plein air. Oui, je vois ça. Allons par là, c'est certainement la bonne direction. Passez devant. Faites attention aux serpents. Peut-être que vous devriez marcher devant. Si vous insistez. Alors, faites attention aux cougars. Aux cougars? Mais ils attaquent toujours le dernier d'une file. Mais seulement quand ils ont faim. C'est formidable, n'est-ce pas? Oh, oui, très agréable. Maintenant, écoutez-moi, seigneur. Quand vous en aurez fini avec cette ridicule histoire d'Indien, vous remonterez la rivière jusqu'à l'île Gardia. Mes camarades nous attendent là-bas pour prendre les armes. Vous, dites-moi, vous n'avez parlé à personne de ces armes? Pas même à ma fille, j'ai fait exactement ce que le général m'a dit de faire. Alors continuez à agir comme ça, seigneur. Parce que la première occasion, vous ne les ferez pas. Vous pas de ramasser des pierres. Qu'est-ce que vous cherchez? De l'or, évidemment. Les indigènes qui ont fabriqué les statues devaient bien trouver cet or quelque part. Je parie qu'il doit y en avoir tout près d'où nous sommes. Si nous revenions plus tôt vers le bateau, il va faire bientôt nuit. Oh, nous avons encore largement le temps. Je vous propose de pousser un peu plus loin. Je ne peux pas exprimer la joie que j'éprouve ici. Oh, je ne peux pas l'exprimer moi non plus. Pas de la façon dont je le voudrais. Écoutez, si l'un d'entre vous fait des bêtises, je vous avertis qu'il le regrettera. Compris? Bon, alors, où est l'objet? Le tourne-disque marche encore aujourd'hui? Bon. Le sac est là. Elle n'est pas abîmée, hein? Mais je ferais bien de vérifier. Voilà, voilà. Alors, bonjour, ma beauté. Il me semble vous avoir déjà vu, hein? Espèce d'imbécile, ce n'est pas une vraie. Elle est faite en papier! Regardez-la d'un peu plus près. Si nous nous reposions quelques minutes... Bien sûr, asseyez-vous. Hé, Alice, regardez un peu ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'or. Chérie! Tous ces rochers, il y a de l'or partout. C'est merveilleux, vous êtes merveilleux, le monde est merveilleux, je voudrais vous embrasser. Mais alors, ne restez pas planté comme ça. Regardez ça, mon chéri, toute une montagne d'or et tout ça est à nous. À nous, chérie? Un magnifique morceau de minerai, n'est-ce pas? C'est bête que vous et le professeur ayez eu les coupeurs de tête à vos trousses la dernière fois que vous êtes venus. Bon, je suis sûr que sinon vous auriez remarqué cet or. Hein. C'est merveilleux que vous l'ayez trouvé. Merveilleux pour vous et pour nous. Alice, chérie, est-ce que par hasard vous vous feriez l'illusion que nous sommes partenaires? Nous ne le sommes pas. Nous avons fait affaire pour cette expédition uniquement pour aller chercher ces grenouilles. Mais si on ne vous avait pas amené ici, vous n'auriez pas trouvé l'or? C'est vrai. Et si je n'avais pas été prendre un verre sur la terrasse du Miramonte, je n'aurais sans doute jamais eu la chance de vous rencontrer. Est-ce à dire que le garçon est dans l'affaire, lui aussi? Vous entendez? Les tam-tams. Qu'est-ce que c'est, une fête en l'honneur de l'euro, peut-être? Non, ils ne jouent ces tambours que pour les rites du sang. J'ai déjà entendu ça. Eh bien, dans ce cas, il faudrait y jeter un coup d'œil. Non, vous ne pourrez rien y faire. Je ne vous laisserai pas y aller. Bon, très bien, je vais rester. Thank you.
prend tout à coup? Vous êtes enrhumé ou quoi? Allez-y, vous pouvez crier plus fort que ça. Où est la tête? Où est la tête, espèce d'idiot? Me dites pas que vous ne l'avez pas apporté. Bon, ça va, préparez-la. Ça va donner des sueurs froides à notre pigeon quand il la verra. Quand je vous donnerai le signal, vous la mettrez bien en vue, d'accord? Allez-y, dansez, dansez! Ce sont des bêtes qui pensent qu'à tuer. Mais Loro, qu'est-ce qu'ils ont fait à Loro? Regardez, c'est une tête. Il faut qu'on s'en aille tout de suite. Allez-y, capitaine! Partons d'ici! Capitaine! Alors, capitaine, préparez-vous à partir tout de suite, mais pas pour aller à San Carlos. Nous remontons le fleuve jusqu'à l'île Guardia. Non, ma belle. Je sais ce qui a été prévu. Je n'aime pas ça non plus. Cherche bien, papa. Essaie de trouver quelque chose, plutôt légalement, si tu peux. Eh bien, étant donné que nous sommes quand même plus ou moins mêlés à cette découverte de l'or, peut-être qu'il accepterait de nous vendre une part. Où est-ce qu'on pourrait trouver de l'argent? Mais nous avons de l'argent. D'abord, ce qu'il nous a donné pour payer les armes, et aussi tout ce qu'on a mis de côté. Je crois que tu avais dit de ne pas y toucher. Eh bien, j'ai changé d'avis depuis. Nous allons dans le sens opposé à San Carlos, n'est-ce pas? Oh, pas pour longtemps. Ça a quelque chose à voir avec ce Vargas? Ne te tracasse pas pour ce sacré Vargas. Nous n'avons jamais eu de secret auparavant. Pourquoi commencer? Oh, allez, ça suffit, hein, tu me fatigues. Oh, très bien. Ah, professeur, c'est ou bien je suis complètement désorienté, ou alors c'est le bateau qu'il est. San Carlos est à l'opposé. Oui, oui, vous avez raison. Alors pourquoi prenons-nous cette direction? Eh bien, voilà. Seigneur, parce que il est ordonné. C'est moi qui commande ici pendant les prochaines heures. Vous, qui êtes-vous donc? Colonel Emilio Vargas, pour vous servir, seigneur. Colonel? Le nom de votre général ne serait-il pas Cuevas, par hasard? Mais si, seigneur. Professeur, aider un mouvement insurrectionnel ne faisait pas partie de notre marché. Je n'avais pas le choix, monsieur Thoms, sinon ils nous auraient tués tous les deux. Ils nous ont obligés à transporter leurs armes. Enfin, nos armes. Enfin, je veux dire qu'ils ont pris nos armes. Et que nous arrivera-t-il quand vous aurez livré ces armes? Bien, cela va être très simple, j'y crois, seigneur. Nous vous garderons comme prisonniers jusqu'à la fin de notre mission. Et si nous ne vous laissions pas faire? À la guerre comme à la guerre, seigneur. Allez, capitaine! Êtes-vous blessé? Non, non, ça va bien. Merci pour votre aide. Il me semblait bien que nous allions dans la mauvaise direction. Allez, faites demi-tour. Si, seigneur. Et vite. Seigneur, vous êtes un héros. Une fois de plus, qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Le général Cuevas et tous ses hommes ont été arrêtés. Julio, Paco aussi. Je veillerai personnellement à ce que vous receviez l'ordre de San Carlos, notre plus haute distinction. J'en suis ravi. Et le colonel Vargas, qu'est-il devenu? Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il s'en est sorti ou peut-être qu'il s'est fait dévorer. Vous voyez, monsieur Thoms, votre découverte aura beaucoup d'avantages. Lorsqu'on la connaîtra, cela modernisera ce pays et rendra possible une autre expédition pour aller chercher ces grenouilles. Néanmoins, vous n'êtes aucunement obligé d'accepter de conclure ce contrat. Nous avons quand même contribué à votre découverte. Oui, vous nous semblez tous les deux convaincus que vous en êtes responsable. Peut-être avez-vous raison. Oh, Sébastien, vous voulez bien? Combien voulez-vous investir? Eh bien, je peux vous proposer de placer 30 000 dollars. J'étais pourtant persuadé que vous étiez complètement ruiné, professeur. C'est exact, j'ai été, mon garçon, mais maintenant je ne le suis plus. Une fois revenu à San Carlos, j'ai eu la surprise de constater que la fortune m'avait enfin recueilli sous son aile. Mais ce n'est pas comparable à votre chance, évidemment. Mais comment ça, professeur? Un héritage inattendu, peut-être? Quelle extraordinaire prémonition, c'est exactement ce qui est arrivé. Bon. Voilà mon reçu. Merci. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai quelques affaires à régler. Je ne trouve pas les mots pour vous remercier, monsieur Thoms. Pas maintenant, mais plus tard, je pense que vous les trouverez.
Vous verrez. Papa, nous avons réussi. Évidemment, est-ce que tu as un seul instant pensé à un échec? Reçu de la part du professeur Humphrey Nestor une somme de 30 000 dollars de participation à la création de la mine des grenouilles d'or signée Simon Templar. Qui? Simon. Simon Templar. Le saint. Nous avons été roulés. Comment pourrais-je vous remercier? C'est simple, envoyez-moi une carte postale quand vous serez chez vous. Voudriez-vous envoyer quelqu'un pour venir prendre mes bagages? Entrez. Oh, bonjour chérie. Vous allez quelque part? Oui, il faut que je m'en aille. Mon avion part dans une heure, malheureusement. Je sais que vous partez, Sébastien. Ou peut-être préférez-vous que je vous appelle Simon? Vous l'avez découvert. Mais vous avez signé le reçu du nom de Simon Templar? Oh oui, c'était une faiblesse de ma part, n'est-ce pas? Non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venue vous faire une scène. En fait, je suis venue pour vous remercier. Vraiment? Oui, mon père a décidé qu'il était grand temps de s'arrêter. Cela faisait un an que je lui en parlais. Vous l'avez convaincu en quelques jours. Oh, mais je ne l'ai même pas essayé. Et que va-t-il faire maintenant? Rentrer chez nous, acheter un petit magasin. Il pourra mener une vie tranquille. Je n'aime pas être indiscret, mais avec quel argent allez-vous pouvoir l'acheter? Oh, nous avons de l'argent. Mmh. Nous avons revendu les fusils. Vous avez vendu les armes? Oui, au gouvernement de San Carlos. Comme ça, ils peuvent moderniser leur armée. Il est heureux que le capitaine Quintana nous ait donné le chèque. Vous êtes une opportuniste. Pourquoi? Parce que j'ai fait une bonne affaire? En affaire, il faut ramasser l'argent où on le trouve. C'est vous qui m'avez appris ça. Mais il y a une chose qu'il faut que j'apprenne encore. C'est de savoir distinguer une bonne affaire d'une mauvaise. Et surtout de savoir avec quel démon on la traite. Yeah.